It is often said that some pop culture masterpieces have had a huge impact on video game creators. It's easy to spot the influence of Alien, Blade Runner, the worlds of Tolkien and Lovecraft, or more recently, of Twin Peaks on the game industry. Today, game developers are increasingly inspired by more diverse references, both in their thematics and aesthetics. We have seen games related to 1920s cartoons, snuff movies, the ballet, and now more commonly, games related to the news and committed to a political point of view, reality-inspired games. The movie you are about to see tells the story of a French video game development studio that decided in 2016 to try something else by feeding on serious and important contemporary topics, something that did not take its visual identity from space, from Mordor, or from the city of Twin Peaks, but from this. Un jour, je suis tombé sur un article du Monde.fr qui s'appelait « Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp ». Alors là, c'était un aller-retour dans ma gueule, quoi. C'est pas un jeu vidéo où toi, t'as une heure à tuer et donc tu joues. C'est un fil rouge de ta vie quotidienne. Je m'attendais beaucoup moins à ce qu'il y ait énormément de commentaires qui disaient qu'on s'enrichissait sur le dos des migrants, que notre discours était pas légitime, etc. On est fait des hommes blancs. Est-ce que c'est bien de faire un jeu sur l'histoire d'une femme syrienne qui quitte son pays en guerre? Avant de faire du jeu vidéo, j'étais journaliste. En fait, j'ai été diplômé d'une école de journalisme en 2002. Et je suis directement parti dans la presse jeunesse. J'ai travaillé chez Bayard Presse. Et ensuite, j'ai, avec d'autres collègues, créé l'offre numérique jeunesse de Bayard. Et au bout d'un moment, je me suis dit que les jeux vidéo, c'était un super média. On l'a beaucoup utilisé à destination de la jeunesse pour parler de sujets aussi divers que l'archéologie, les dieux égyptiens, etc. Faire comprendre aux enfants plein de choses par le jeu. Puis je me suis dit, c'est quand même dommage d'arrêter de jouer quand on est adulte. Il n'y a pas de raison à ça, si ce n'est des raisons culturelles. Du coup, ça m'intéresserait de voir si on peut faire des jeux vidéo pour adultes et qui font réfléchir sur le monde autour de nous, qui font apprendre des choses sur le monde autour de nous. Et donc j'ai démissionné de Bayard et j'ai créé The Pixelant pour faire ce genre de jeu. In 2011, Florent brought his journalist career to an end and launched The Pixel Hunt. At the same time, he also started working on his very first video game, called Primaire à Gauche, in which you are in the shoes of a socialist candidate in the 2012 French presidential primary. This very pragmatic and down-to-earth topic made it what we now call a news game, or more commonly, a serious game. Florent's first steps in the video game industry allowed him to start exploring what would become the Pixel Hunt's motto, reality-inspired games. To this day, he has created more than 30 games in collaboration with various companies. Their topics are both very diverse and coherent. We never really leave our world while playing a Pixel Hunt game, but we might learn a thing or two about it. C'est des jeux qui ont touché à des sujets très très divers. On a fait un jeu sur le beatbox, comment est-ce qu'on peut apprendre à beatboxer, avec des tutos par le champion du monde qui est français, c'était assez cool à faire. On a fait un jeu sur la faune du corps humain, parce que je sais pas si t'es au courant, mais dans ton corps, t'as plein de bestioles. Et quand je dis dans ton corps, c'est dans tes sourcils, dans ton nombril, mais aussi à l'intérieur de toi-même. Voilà, on a fait plein de jeux qui, à chaque fois, sont toujours en rapport avec quelque chose de réel. C'est ça notre objectif, c'est qu'on sorte un petit peu du cadre du jeu uniquement pour le divertissement et qu'on aille vers quelque chose, je vais pas dire d'utile, parce que jouer, c'est toujours gratuit, c'est toujours libre, mais en tout cas, d'enrichissant pour les êtres humains que nous sommes tous. 5 years after his first game, Primaire à Gauche, his desire to start a more personal project was growing strong. He was still convinced he did not want his video games to be a way out, but down to earth and rooted in reality. With this in mind, he started having several ideas for a new video game. J'ai pensé à un moment à faire un jeu sur comment est-ce qu'on attribue les Jeux Olympiques, par exemple. Qui est-ce qui va décider et comment est-ce que ça se décide? C'est un panier de crabe total avec... Des super histoires de corruption très intéressantes. J'ai toujours été proche de toute la veine fiction interactive, donc toute la partie message-texte qui s'envoie m'attirait vachement, mais
à partir de ce postulat de départ, tu peux imaginer plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur de foot la semaine avant la Coupe du Monde, avant la finale de la Coupe du Monde, entre la demi-finale qu'il a gagnée et la finale, qu'est-ce qui va se passer et comment à qui il parle et comment est-ce que ça peut les conversations qu'il va avoir avec sa mère, sa petite copine, son coach, etc. vont pouvoir affecter sa performance le jour de la finale, des choses comme ça. Enfin, plein de sujets potentiellement qui m'intéressaient et rien d'hyper arrêté. Due tra di voi hanno cambiato il nome italiano e il nome francese, perché? Allora, ho guardato Francesco e allora ho deciso di mettere un nome Federico per fare Federico Francesco. Faceva molto francese e... Più si chiamava Giovanni, per fare un nome francese si chiama Giovanni. Je suis d'une famille de migrants, pas directement de ma génération, mais ma grand-mère est arrivée d'Italie en France. Elle m'en a souvent parlé. Elle est hyper réac, hyper française. Quand il y a des matchs France-Italie, elle est vénère contre les Italiens. Et du coup, ça m'a toujours un peu habité dans mon enfance. J'ai toujours trouvé ça un peu étonnant, cette position. Comment est-ce qu'on devient plus royaliste que le roi quand on est un migrant et qu'on arrive dans un nouveau pays qui vous accueille. Bon, voilà, ce sujet-là me touchait beaucoup. Puis tout ce qu'on voit... aux infos, forcément, ça touche. Et justement, un jour, je suis tombé sur un article du Monde.fr qui s'appelait « Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp ». Et alors là, c'était un aller-retour dans ma gueule, quoi. Here is the slap in the face Florent was mentioning. A WhatsApp conversation between several members of a Syrian family, some of them having decided to flee their country to go to Germany. This recreation was made from a very real conversation. As such, it keeps a lot of the elements of the real exchange, including emojis, chit-chat, and even some brother and sister jokes. It also kept dates, names, situations and places that are faithful to the true story of this Syrian family. Florent's obsession regarding this article had a powerful impact on the decisions he would later take. The best person to tell us about it was Lucie Soulier herself. We met with her and asked her about the first time she met Dana, the Syrian protagonist featured in the article. Alors Dana, on s'est rencontrés donc à Izmir. Ça faisait moi quelques jours que j'étais en reportage là-bas, où donc j'avais rencontré déjà quelques groupes de migrants, quelques familles. Et quelqu'un m'a dit « Ah, mais je connais deux jeunes qui sont arrivés, je pense que ça t'intéressera de les rencontrer, ils sont super. » Donc on s'est retrouvés dans un endroit hyper touristique d'Izmir, avec vue sur la mer, avec des cocktails, avec des pailles fluo, enfin le décalage était complet. Et donc en fait ils ont débarqué, une heure avant ils m'envoient un message en me disant « ça t'embête pas si on arrive avec nos sacs à dos parce qu'en fait on va prendre le bateau dans 3 heures ». Donc on s'est rencontrés dans ces conditions-là où on savait que on passait la dernière soirée ensemble avant qu'ils retrouvent leur passeur pour faire la traversée. Donc je pense moment particulier de leur vie, de leur voyage, du coup moment très particulier moi de mon reportage, voilà, tu sais que tu es à un moment charnière, tu as des moments où quand même tu te marres, où ils te racontent des trucs et tout à coup le voyage reprend le dessus, enfin ce qui va se passer reprend le dessus et donc voilà, on s'est rencontrés dans ces conditions-là. Quand j'ai su qu'ils avaient traversé, j'ai fait un papier pour le journal sur ce soir-là qui racontait un petit peu les angoisses des 3 heures avant, leur vie, le pourquoi, mais aussi les grands moments de silence de ils vont traverser ce soir, quoi. Et du coup, voilà, ça c'était le premier papier sur eux. Et ce soir-là, je remarquais déjà, elle envoyait des photos, elle fait un selfie même avec moi pour envoyer à son groupe. Elle envoyait tous les soirs, elle envoyait une photo du coucher de soleil à sa mère sur la route. Je suis allée la voir quand elle est arrivée en Allemagne pour faire un papier de clôture de l'histoire. Et donc là, on en discute en disant, je lui dis, écoute-moi, si ça t'intéresse de faire ça avec moi, je pense que ça peut être un truc intéressant. Je sais pas encore comment, mais si t'es d'accord, j'aimerais récupérer
le WhatsApp, ton WhatsApp de voyage. Et là, elle me dit oui tout de suite. Elle me dit, mais si tu veux, j'ai une meilleure idée. Son frère, il écrit des scénarios. Et donc, elle me dit, je peux lui raconter mon voyage. Et il l'écrit. Et puis, je dis, mais en fait, non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment la matière brute. Et donc, en fait, elle a été tout de suite d'accord. Par contre, elle ne comprenait pas du tout l'intérêt. Pas du tout, du tout. Et donc, elle m'a balancé pendant une journée les 250 idées capture d'écran du voyage. Et elle avait censuré trois trucs parce qu'elle insultait des gens. Et elle dit, j'ai pas envie d'avoir l'air vulgaire. Même en arabe, c'était hyper fou enfin, de voir les photos du voyage, enfin, les pays que tu voyais avancer, les émojis que tu comprends, certains mots en anglais parce que bah, on parle tous un peu en anglais. Des résultats de matchs de foot, enfin... Et je me disais, mais ça, c'est ça, en fait, qui... C'est ça qui a un intérêt dans ce que j'ai récupéré, c'est de transmettre ça, de montrer qu'en fait, son WhatsApp, c'est le même que le mien avec mes potes, en fait. Et donc, cette espèce de violence entre de l'hyper-familier et de l'hyper-étrange, ça m'a vachement interpellé. Et à ce moment, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment un sujet qui me remue, quoi, et que j'ai envie de traiter en jeu vidéo parce que je fais des jeux vidéo et que c'est comme ça que je m'exprime sur le monde. Le problème, c'est que ça c'était ma conviction, c'était pas nécessairement la conviction des personnes qui étaient concernées. Et évidemment, il était hors de question de faire un jeu sur ce sujet sans avoir l'assentiment des personnes qui étaient concernées. En tout cas, au moins de la personne de l'article. Donc il a fallu que je rentre en contact d'abord avec la journaliste du Monde.fr, Lucie, que je lui parle de mon projet, et ensuite, avec, par l'intermédiaire de Lucie, avec Dana, que je lui en parle aussi, et que toutes les deux acceptent de nous aider à faire ce jeu, parce qu'il ne fallait pas que ce soit un fantasme, il fallait que ce soit le jeu le plus documenté possible. Florent was once a journalist, just like Lucy. This allowed him to be invited to perform at an exclusive event called Live Magazine. This was the perfect opportunity to talk to her about his video game project. Live Magazine, c'est une... Est-ce qu'on peut dire une sorte de stand-up de journaliste? Donc Live Magazine, c'est un spectacle où il y a des journalistes qui montent sur scène pour raconter une histoire qui leur est arrivée et qui les a particulièrement marqués. Et moi, on m'avait demandé de venir pour raconter parce que je me suis installé dans la campagne profonde. Et donc, je racontais mon inadaptation totale en tant qu'urbain, parisien, bobo, tout ce qui peut être le plus puant possible de mon personnage, qui est vrai, quoi, tu vois, qui tout d'un coup se retrouve dans un hameau de 27 habitants en fin fond de la Saône-et-Loire. Je racontais que... La première fois qu'en fait on est arrivé dans notre hameau qui s'appelle Chevagny, on est allé au marché comme des bons parisiens de merde, et on a eu un mot sous notre essuie-glace qui était « Demain matin, vente de boudin pour les sapeurs-pompiers de Lournan pour gagner des sous et tout. » Et donc le dimanche matin, on s'est pointé à la mairie à 10h30. Non seulement, bon, à 10h30, tout le monde, il n'y avait plus de boudin, tout le boudin avait été acheté depuis bien longtemps, etc. Mais en plus, les gens nous ont accueillis avec des tartines de fromage fondu qui puaient la mort et des verres de blanc. Et donc, à part moi qui racontais des conneries, il y avait des journalistes qui racontaient des histoires sérieuses, dont Lucie qui parlait de cet article, de comment est-ce qu'elle avait rencontré Dana, comment est-ce qu'elle avait récupéré les photos, de ses les captures d'écran de ses conversations, etc. Moi, j'avais lu l'article qui m'avait déjà un peu remué, et l'entendre en parler, c'était complètement... bouleversant, quoi, de surtout de parler de sa relation à elle avec Dana, qui a dépassé largement le cadre de la simple relation professionnelle de journaliste. Vu l'histoire des boudins que j'avais raconté et d'autres conneries comme ça, je partais pas avec une crédibilité de ouf, quoi. Ouais, il m'a envoyé un message, en gros, en disant « Dis donc, je suis en train de commencer à faire un jeu vidéo et j'ai l'impression que je suis en train de pomper ton histoire. » Donc voilà, il m'a contacté comme ça. Et voilà, je me suis retrouvée face à ce truc-là. Et du coup, c'était quoi ta première réaction quand il est venu te voir pour te dire « je vais faire un jeu vidéo sur des Syriens » ? J'étais horrifiée. Honnêtement, au début, je me suis dit « je vais même pas répondre, quoi. » J'étais... Ouais, non, je trouvais ça assez glauque. Enfin, je me suis dit « il faut quand même qu'on se parle pour qu'au moins je lui dise non. » Elle est complètement tombée de sa chaise, quoi. Pour elle, les jeux vidéo, c'était un truc pour ados, un truc un peu de nerd,
c'était pas du tout quelque chose de compatible avec une histoire aussi intense que celle qu'elle avait vécue quand elle avait couvert l'histoire de Dana. Sauf que bon, bah, j'avais un petit peu réfléchi au sujet, donc je l'ai un peu développé. Je dis voilà, le jeu vidéo pour moi, c'est plus que ça. C'est vraiment quelque chose de fort en tant que média. Plus, je veux raconter l'histoire d'une femme qui migre, parce que c'est des problématiques qui sont nouvelles dans l'immigration et ça m'intéresse. Plus, je me suis vachement documenté, je connais ça et ça et ça et ça. Et au final, elle a vu que j'étais sérieux, et puis je lui ai fait jouer à Lifeline. Ce qui m'a intéressé, c'était de voir le... Oui, de voir les... comment ça pouvait se passer sur les pop, notamment, le fait que ça intervienne dans ta vie, à des moments où t'as pas du tout envie que ça intervienne, ou que parfois t'attends, t'as du temps, et en fait, ben, au bout de 5 minutes, le mec est parti découvrir je sais pas trop quoi sur sa planète, et que toi t'es là, ben mince, j'avais envie de jouer, et que du coup, c'est pas un jeu vidéo où toi t'as une heure à tuer, et donc tu joues. C'est un fil rouge de ta vie quotidienne. Moi, j'avais une amie qui m'avait fait jouer, alors du coup, je ne sais pas non plus, mais tu sais, t'es à la douane et tu prends des décisions. Papers, please. Ouais. Et ça m'avait assez chamboulé comme jeu. Où je m'étais dit, en effet, ça te met dans des questionnements vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de te dire, ok, qu'est-ce que moi je ferais dans des situations où en fait, il n'y a pas de bien ou de bien. Un peu un moins pire, mais et ce truc là peut-être même plus que Lifeline, je me suis dit ouais, ok, peut-être qu'il y a des jeux vidéo qui peuvent te faire te questionner sur ben, t'imagines, en fait c'est pas si simple d'être douanier quoi. J'en ai parlé tout de suite d'abord à Dana en me disant écoute, on me propose ça, je sais pas ce que t'en penses, et elle a été beaucoup moins réac que moi. Tout de suite, elle dit, mais ça peut être super. Et donc, je me suis dit, bon, ok, donc toi, t'es vraiment dans les années 20 dans ta tête. Alors que j'avais préparé un argumentaire comme ça pour convaincre Dana en me disant, il faut que je lui dise que je ne veux pas trivialiser ce qu'elle a vécu avec l'intensité que ça a, etc. Enfin, tu vois, j'avais plein d'arguments. En fait, on s'est parlé 5 minutes et elle m'a dit c'est hyper bien, c'est de toute façon toutes les initiatives qui visent à parler de ce qu'on a vécu, moi je suis pour. Et en plus, je trouve que c'est vraiment super d'utiliser le jeu vidéo en tant que média pour faire vivre, pour donner à vivre aux gens ce que nous on a vécu, pour vraiment qu'ils le ressentent, je suis complètement partante. Donc en gros, ça a duré 3 minutes et puis c'était parti. Hi Majd, I'm sorry I can't type your message. My fingers are covered in batter. Can you believe it? Your wife has taken up cooking. Hi Majd, I hope things are okay with you and Holmes. I'm really sad that I missed your call. I wanted to hear your voice and get your news. I'll ring tomorrow. Hi Majd, I promised myself that I would never speak to you again, but Hamid persuaded me to send you some news. This is almost certainly the last time you'll hear my voice. Don't try and ring me back. I won't answer. Hi, Majd. Try and stay strong. I'm gonna do the same. We'll talk later. Right? I love you, Majd. I miss you. I can't wait to see you. And, I hope it'll be really soon. That's all. Pendant du coup quand je faisais mes études de journaliste, j'ai fait mon master professionnel sur le news game, c'est-à-dire le jeu vidéo qui va traiter d'actualité. Et Florent Morin était un peu spécialiste français, on va dire, dans le domaine, quoi. Il avait un site spécialisé sur le news game, c'est un mot qu'on n'entendait pas beaucoup côté français. Je l'ai découvert par son site qui s'appelle Lou Jeux Vipo, où il fait toute une liste de tous les jeux gratuits et bizarres, donc autrement dit, deux choses qui me plaisent dans la vie. Puis surtout, je suis un énorme fan de ses jeux à lui, qu'il fait en général dans des game jams. Je suis fan de la manière dont il arrive à créer des situations hyper intimes en quelques mots par-ci par-là. Et c'était exactement ce dont on avait besoin. Et un jour, il est revenu vers moi et m'a dit, bah en fait, ça t'intéresserait de faire... On va faire Lifeline, mais sur le parcours d'une réfugiée syrienne. Regarde cet article de Lucie Soulier. Comment c'est fait. Puis ben, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est un projet qui m'intéressait, et du coup dans la forme et dans le fond. Alors au tout début, Florent il avait pris un peu d'avance, et donc il avait déjà écrit les deux personnages, le personnage de Nour et le personnage de Majd. Il avait déjà donné un peu d'épaisseur, de background, quoi, même s'il n'avait rien écrit vraiment. Donc du coup c'est des personnages que je me suis appropriés par moi-même.
Et au tout début, donc du coup, on a travaillé dès le début avec Lucie Soulier et avec Dana. Avec ces deux personnes-là, plus beaucoup de documentation, on a commencé à se mettre d'accord sur ce que le jeu allait couvrir, les routes migratoires que le jeu allait couvrir. Et après, à un moment, il a fallu se lancer dans l'écriture. Ça s'est fait un peu comme ça. Bon, bah, je vais commencer à écrire le début, un peu en mode test. Et puis on y reviendra plus tard. Et puis en fait, bah non, en fait, une fois que t'as commencé, ça y est, c'est parti. Le début que t'as écrit en mode test, bah, ça sera le début du jeu. Et on va pas revenir 100 fois dessus, quoi. Au début, j'avais une idée délirante en lui disant « Regarde, moi, je fais Maj, toi, tu fais Nour », et on écrit le truc vraiment via une application de chat et tout. En fait, moi, j'étais hyper vite débordé par les milliards d'autres trucs qu'il y avait à faire sur ce projet. Donc lui, il a écrit tout seul 80-85%. Moi, j'ai écrit les 15% restants, mais c'est vraiment majoritairement lui qui a insufflé toute la vie à Nour et Maj. Dans le travail avec Dana, on va dire qu'il y avait trois étapes. La première étape, c'est quand elle nous a raconté son histoire. Avec le plus de détails possible, elle nous a raconté comment elle est partie de Syrie et qu'elle est arrivée en Allemagne, où elle est encore aujourd'hui. Deuxième étape, on va dire, c'était répondre à toutes nos petites questions sur des petits détails. J'en sais rien, on fait une référence à Bibi et Coyote dans le truc. On dit, mais attends, mais en fait, Bibi et Coyote, est-ce que c'est déjà passé à la télé en Syrie? Donc on va demander ça. Bon, réponse, oui. Comment vous parlez de Bachar el-Assad en Syrie, quand vous discutez en chat ou en texto et tout, bon, bah, réponse, bah, du coup, non, mais en fait, on ne parle pas, on ne prononce pas son nom, parce que sinon, du coup, on va être surveillé sur les téléphones. C'est un des mots-clés qui va pouvoir créer un tracking, quoi. Enfin, donc voilà, elle nous répondait à tout ce genre de petites questions, dont on n'aurait pas pu trouver la réponse aussi facilement sur Internet. Et la troisième étape, bah, c'est du coup la relecture. Elle a relu tous les textes qu'on a écrits, une fois traduit en anglais, pas pour les fautes évidemment, mais pour nous dire s'il y avait des trucs qui allaient pas, s'il y avait des trucs qu'elle pensait qu'il valait mieux retirer, des choses qui méritaient plus d'approfondissement, ce genre de choses. Il y a des moments où je lisais des trucs et sur le scénario, et du coup je leur disais, bah, là-dessus, allez lire ça, parce que ça peut ajouter des choses certes atroces, mais extrêmement réelles que les gens ne connaissent pas. Notamment au moment où donc elle est dans le canot, enfin donc vraiment le moment de la traversée. Et en fait donc ma consoeur est partie sur l'Aquarius, qui est un bateau donc qui va sauver des migrants sur la Méditerranée, et donc raconte aussi les séquelles et du voyage en bateau, et notamment le fait que parfois pendant des jours, les canaux sont remplis d'un peu d'eau, mais pas que. Parce que du coup, t'as du fioul, t'as de l'urine, et qu'en fait, le mélange brûle les chairs. Donc voilà, pardon pour. Mais que c'est ce genre de détail fort aussi, où tu te dis, ça, forcément, on te le raconte pas comme ça. Et qu'aussi tu as des traces de morsures, parce que les gens qui se noient luttent pour survivre, et que d'autres en gardent les traces tout le reste de leur vie. Je me disais, voilà, ça, je pense que c'est pas un truc qu'on lit partout, mais que peut-être c'est intéressant de l'avoir en tête aussi, et que t'as des traumas psychologiques et physiques. Mais tu as aussi des choses qui vont être ancrées dans leur corps toute leur vie. Dana nous disait, par exemple, on avait écrit une scène où Nour rencontre le passeur, et elle a relu ça, elle nous a dit, mais vous y êtes pas du tout, ça fait pas du tout assez peur là. Nous, on avait peur d'être allé trop loin, tu vois, dans le cliché un petit peu. On s'était beaucoup documenté, mais on savait pas trop quand même. Et elle nous dit, non mais attendez,
ça va pas, c'est pas assez flippant. Moi, les passeurs que j'ai rencontrés, ils étaient tous armés. Là, vos passeurs, ils ont l'air de partir à la plage, ça va pas et tout. Donc, on a réécrit en rajoutant des arbres au mec. Elle nous a dit, putain, nous, on a dû marcher 1h30 dans le noir, on savait pas où fallait aller. Donc, tout ça, on l'a mis dans le jeu. Sur le peu où je suis intervenue, on était assez vite sur, d'accord sur. À part sur un truc. C'est quoi ? Moi, au départ, je voulais pas que le personnage principal puisse mourir. D'accord. Enfin, j'étais très... Ouais, ça me perturbait vachement. Bah, parce qu'en fait, oui, c'est... Même si c'est un jeu, que c'est une fiction, que c'est pas la vraie vie d'une vraie personne migrante, bah, si. En fait, une des portes de sortie du voyage, c'est ça, pour beaucoup d'entre eux. Et que s'il n'y a pas ça, le jeu, il sert à rien. Majd. I don't know if you're going to get this, but I'm freaking out. I love you. 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 Oh, shit. Du coup, moi, j'ai pas fini le jeu. Parce que j'ai cette histoire-là aussi. Je pense que d'autres gens, mais parce que pour moi, j'ai du mal à détacher la vie d'Anna de ce qui se passe dans le jeu. Donc, j'ai arrêté de jouer à un moment. Il n'y a pas longtemps, la VentureBeat, le site américain spécialisé sur la technologie, m'a demandé s'il pouvait poser des questions à Dana. Et les réponses de Dana sur qu'est-ce qu'elle pense du jeu vidéo, il y a des choses que j'ai voulu mettre dans ce jeu, j'en avais pas vraiment conscience, et elle a complètement compris. Et par exemple, elle dit « Je veux surtout pas que les gens croient que c'est l'histoire d'une migrante, cette héroïne, Nour, c'est une espèce de représentation de plein de destins différents. » Enfin, je trouve ça vraiment super quoi, qu'elle ait réussi à non seulement comprendre ce que je voulais faire, mais même l'apprivoiser suffisamment, se l'approprier suffisamment pour être capable de le formuler mieux que je pourrais le faire, parler de mon travail mieux que je pourrais le faire. Quoi. Donc c'est elle qui devrait être là, tu vois, ça sert à rien. Il me semble que c'est un projet hyper intime, hyper personnel que je porte à bout de bras et qui aurait jamais existé sans moi, tu vois, c'est sûr quoi, je me fais chier depuis 2 ans à... Et à la fois, c'est tellement pas mon projet. C'est-à-dire que j'étais à IndieCade la semaine dernière, tout le monde m'a dit « Oh, les dessins sont tellement magnifiques, etc. » Et ce jeu serait pas le même si c'était pas Mathieu qui avait fait les dessins. Tout le monde me dit « Ah, oh, c'est incroyable, en 5 minutes, on est complètement agrippé par le style. » Bah, le jeu serait pas le même si c'était pas Pierre qui l'avait écrit. Donc c'est à la fois mon projet, et je dis « Ouais, c'est mon jeu et tout. » Et à la fois, c'est pas du tout mon jeu. C'est une œuvre collective, comme on dit souvent dans le jeu vidéo, ce serait évidemment pas du tout le même jeu si une seule des personnes de cette équipe était remplacée par quelqu'un d'autre. Et il serait sûrement moins bien. Now that the team was assembled, the development of Bury Me My Love could finally start. It was an atypical project because of its thematics, but also in its very roots and its desire to include the transcription of a whole journey in a messaging app. To be as close to a true messaging app as possible, the team asked for help and worked with Figs, a development studio specialized in user interfaces. Although the Pixel Hunt team was determined to create a coherent and realistic interface to reflect the topic of Bury Me My Love, the very concept of a text adventure included many challenges. Déjà, l'implication certaine, c'est que c'est beaucoup plus de texte en quantité. Si tu fais, tu proposes 2 choix aux joueurs, bah, si tu veux pas prendre le joueur pour un con, bah, il va falloir écrire un truc des deux côtés, quoi. Sinon, c'est possible de tricher, mais c'est pas très intéressant ni pour le joueur ni pour l'auteur. Fin. En fait, le plus compliqué, c'est de trouver un système pour que Florent et Pierre puissent écrire sans que ce soit trop compliqué à intégrer dans le jeu. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a besoin de faire une modif, il n'y a pas besoin de repasser par 15 étapes différentes. Du coup, on a utilisé un truc qui a été fait par un studio anglais qui s'appelle Inkle, qui est à l'origine d'un jeu qui s'appelle 80 Days. Et donc ils ont créé un espèce de petit langage de script qu'il faut comprendre comme script, comme un script de film en fait, pas comme un script de programmation. Et qui permet en fait à des gens comme Florent et Pierre qui sont pas développeurs d'écrire tout le déroulé, tous les embranchements, quel paragraphe pointe vers quel paragraphe, etc. One of the most moving aspects of Bury Me My Love is, obviously, its storytelling through text messages, which is at the heart of all the game's challenges. But it's not the only one. As Lucy said,
Bury Me My Love is not a traditional game in its presentation. It is based on the rejection of a few traditional narration concepts that have been used since the dawn of video games. Bury Me My Love breaks a primordial art form trope, advocated, for instance, by Hannah Arendt. According to her, a work of art could only make its full impact and reveal its unadulterated meaning if its audience was giving it its entire attention. Bury Me My Love simply refuses this trope, since in its original smartphone form, the players do not make the decision to play the game. When they play, and how long they do, is not up to them. It is Noor, through the smartphone notifications, who makes the decision to solicit the player's attention whenever the game decides to do it. Between the first and the last word of the game, it is never possible for the players to choose a fitting moment for Noor to talk to them. By doing so, it challenges the very definition of a pastime game. This brings us to another question. Since Noor has an actual person to talk to, the character of Majd, who has his own personality, what is the player's role in the game? How do they react to these messages they receive in the course of their day-to-day activities? Dans la plupart des jeux vidéo, on a l'habitude d'être à la place d'eux. Dans Lifeline, par exemple, qui est la référence dont on parlait tout à l'heure, c'est carrément tu joues ton propre rôle. Il n'y a pas de personnage, tu n'incarnes pas de personnage. Et dans les jeux dans lesquels tu incarnes des personnages, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est des personnages qui sont tellement banaux que tu as l'impression qu'ils n'existent pas. Le meilleur exemple, c'est Gordon Freeman, c'est le héros de Half-Life. Gordon Freeman, on ne sait pas le son de sa voix, on connaît à peine sa tête. Pourquoi ? Parce que il y a un postulat qui dit moins le héros du jeu vidéo a de personnalité, plus le joueur pourra se mettre à sa place. Encore une fois, ça c'est un truc qui m'embêtait dans notre jeu à nous, et parce que j'avais envie qu'à la fois le joueur se sente Majd et se sente responsabilisé par rapport à sa femme, quoi, et qu'à la fois il y a des dimensions culturelles, des réactions qui soient différentes, quoi. J'ai déjà des joueurs qui m'ont dit, ma copine par exemple, qui a le choix entre deux phrases et que ça va la gêner parce qu'elle dit non, mais je voudrais répondre aucune de ces deux phrases, il est un peu con aussi, Majd. Oui, mais c'est un personnage, il est un peu con, désolé. Du coup, il est un peu jaloux, il peut être un peu raciste. Et là, ouais, trouver le juste équilibre entre laisser le joueur maître de ses choix et en même temps le forcer à mettre dans la peau de quelqu'un qui a déjà une personnalité et que c'est pas lui qui va la construire, là, c'est un challenge pas si simple, je pense. Dans les choix, par exemple, qui ont pu poser problème, c'est par exemple sur des commentaires racistes de Majd envers, par exemple, des Africains ou des Irakiens, des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui nous ont été beaucoup rapportées sur le chemin de migration. Il y a énormément, en fait, de racisme dans tous les sens qui se fait, les gens qui se mélangent pas tant que ça. Et on voulait le faire ressortir. Et on voulait pas le faire ressortir de Noor parce que, quand même, il faut qu'on s'inquiète pour elle, donc on peut pas non plus en faire un personnage trop désagréable, mais du coup c'était important que ça ressorte par Majd. Mais alors comment on fait? Est-ce que ça, en effet, on l'impose? Est-ce qu'on propose aux joueurs de pouvoir, s'il veut, faire un commentaire raciste? Finalement, c'est vers ça qu'on s'est tourné. Je pense qu'en fait, dans le rapport des joueurs à Majd, ce qui va aider beaucoup, en fait, c'est Noor, parce que c'est Noor qui est quand même le personnage, je pense, le plus attachant de l'histoire, et que du coup, tu joues pour Noor, et tu joues en t'inquiétant pour Noor, pas pour Majd, qui du coup, on s'intéresse pas trop à ce qu'il fait, en fait, de son côté. Peu importe que toi, en tant que joueur, ce soit pas ton schéma de pensée ou tes références culturelles, c'est, encore une fois, pas ton histoire qu'on est en train de te raconter, donc s'il y a des moments de friction entre ta personnalité et la personnalité de Majd, c'est souhaitable, quoi, on est content de ça. Et donc, les moments de choix qu'on te propose, c'est des moments de choix qui sont un peu cruciaux, des moments de choix où lui, même avec sa personnalité, il hésite. Mais tous les moments où sa personnalité fait qu'il n'hésite pas, bah, on ne te propose pas de choix. Et donc, tu es un petit peu comme un spectateur, quoi, à assister à la conversation entre Noor et Majd. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire que tu es un petit peu le petit esprit, le petit djinn sur l'épaule de Majd, en train de lui pousser son instinct dans une direction ou dans une autre. Mais t'es pas vraiment Majd, tu joues pas vraiment à la place de Majd. Moi, je te demande pas ça, quoi. Je te demande au contraire de le respecter en tant que personnage. The handling of the characters might be the key to the understanding of the game. Florent and Pierre gave a subtle and complex personality to Majd, with a lot of imperfections, mishandlings, and awkward remarks addressed to Noor. Still,
he can be a heartwarming, educated, and even funny character, whose imperfections mirror his anxiety to see his loved one going through the journey we live through his eyes. It's the quality of the writing of these two characters that enables us, the players, to somehow walk in the steps of a Syrian migrant, but also to invest a little bit of ourselves and to identify with the refugee we will likely never be. While thorough research to document the journey and the quest's authenticity are without a doubt some of the main qualities of Bury Me My Love, we had to ask the team a question that has been in our mind since the very beginning of the documentary. Is it fair for these creators, who have not lived a Syrian migrant life themselves, to make a video game out of this topic? Je m'attendais beaucoup moins à ce qu'il y ait énormément de commentaires qui disaient qu'on s'enrichissait sur le dos des migrants, que notre discours n'était pas légitime, etc. Et je m'attendais beaucoup moins à ça que l'inverse. Est-ce que c'est bien qu'on fait? Est-ce que voilà, on est en effet des hommes blancs? Est-ce que c'est bien de faire un jeu sur l'histoire d'une femme syrienne qui quitte son pays en guerre? Est-ce qu'on est légitime pour faire ça? Donc des questions que je me pose. Et une réponse que je me disais souvent, c'est ouais, peut-être pas, mais en même temps, est-ce que c'est pas quand même mieux que bah du coup que faire un jeu avec des lapins crétins qui ou Mario qui saute sur des champignons. Enfin, c'est quand même mieux que de faire un jeu qui ne parle de rien, je trouve. Même si je me sens pas complètement légitime, je trouve quand même que c'est plus intéressant de faire ça que de faire quelque chose qui ne parle de rien, qui a pas autant d'importance. Voilà, je vais dire, c'est peut-être les choses que je me dis pour me consoler. To discover Syrian people's opinion on Bury Me My Love, we started looking for reviews of the game written by Syrian journalists. Their views are often very divisive, sometimes harsh, emotional, and understandably personal too. One of the most common criticisms stated by Syrian video game journalists concerns the representation of the country's culture, in particular its religion. Indeed, Noor, the woman protagonist, is an atheist who is fairly mistrustful towards religion. The character of Noor was written this way not only because of an active choice by Florent Pierre, who actually did not initially address the issue, but mainly because Dana, in real life, is a little bit like this. We caught a glimpse of it in the WhatsApp photographs, where we saw her not wearing her hijab. Besides, Dana comes from a relatively wealthy family. This helps her and other relatives to start the journey by plane and to have some money to fund part of the travel. This allowed Florent to focus on the singularity of every travel, every human life hidden under the far too simple term of migrants. This can be problematic when one tries to unveil the meaning of the game, not knowing that it is strongly inspired by the true story of one specific Syrian migrant, is taking the risk of misunderstanding Noor's journey, as well as the developer's intentions. One could read the game as a watered-down version of the suffering of the thousands of the poorest migrants who had to leave their country in circumstances that might be even worse than the ones Dana and Noor had to deal with. This is how this Syrian YouTuber, Abdullah Reviews, took it. To him, the game makes the situation in his country appear too clean, too easy. It is very remote from the reality he experiences himself. We tried to get in touch with this YouTuber, as well as with some of the Syrian media to learn more about their opinions on the game, but we only received outright refusals. We obviously fully respect their choice not to express themselves, and their decision reflects the difficulty of the topic Florent and his team wanted to address in this artwork. To avoid misunderstandings, the best solution was to approach the people who are the most affected by this subject, including various Syrian Facebook groups Dana recommended to Florent during the development of the game. Elle m'a dit, ah, regarde, là, ce groupe, ils sont en train de parler du jeu et tout. Elle m'envoie les liens, trop mignon. Moi, je clique sur les liens, c'est écrit en arabe, je comprends rien et tout. Je lui dis, ah, bah,
c'est cool, mais en fait, je comprends rien. Est-ce que tu peux me raconter? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, et elle me dit, ah bah écoute, il y a deux ou trois personnes qui réagissent hyper mal en disant, oh voilà, maintenant, nos souffrances deviennent leur divertissement. Et puis, une majorité de messages, mais non, c'est super qu'il y ait des gens qui s'emparent de ça et qui racontent des histoires par tous les moyens possibles, et les jeux, pourquoi pas. Et surtout, des gens qui disaient « Attendons, voyons ce que ça donne, jouons. » Et quand moi, j'ai fait jouer non seulement Dana, mais aussi sa sœur, son beau-frère et d'autres gens qui sont dans leur situation, et que Dana me racontait que sa sœur s'était mise à chialer en jouant, qu'elle voulait pas arrêter, qu'elle voulait accompagner Nour jusqu'au bout, l'aider, etc. Je me suis dit, si quelqu'un qui a vécu cette expérience, ça provoque ça chez elle, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut avoir, tu vois. C'est qu'on n'est pas trop à côté de la plaque. C'est qu'au contraire, on est sur quelque chose qui est fidèle à l'expérience qu'elle a vécue. Et j'ai hâte de savoir quelle expérience vont avoir d'autres personnes dans la même situation. Mais on rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas voulu faire ça trop non plus parce que je voulais pas me réfugier derrière. Je voulais le faire suffisamment pour savoir qu'on faisait pas de la merde. Je voulais pas le faire trop pour me réfugier derrière l'argument testé et approuvé par des centaines de migrants, tu vois. Je voulais surtout pas être dans un truc comme ça. Si jamais on a merdé, je veux qu'il y ait des gens qui puissent me dire « vous avez merdé ». Et c'est nul ce que vous avez fait, tu vois. Je veux affronter les responsabilités qu'on doit affronter quand on s'attaque à un sujet comme celui-là. A few days after this interview, on October 26, 2017, Bury Me My Love was released on Android and iOS. The only thing left was for the team to see how the game would be received by both journalists and the public, including the gaming community, who can be somewhat reluctant to play games with strong political themes. We met Florent a second and last time, so he could tell us about the day Bury Me My Love was released. Je m'étais promis que la veille ou l'avant-veille de la sortie du jeu, je serais complètement détendu. On aurait une version qui, même si elle n'était pas parfaite, serait complètement fonctionnelle et qu'il n'y aurait pas de problème technique et que ce serait cool, etc. Et qu'on n'ait plus qu'à appuyer sur le bouton, quitte à patcher le jeu plus tard, tu vois, quelques jours, quelques semaines plus tard, s'il y avait des soucis. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Pour des raisons de praticité, notre publisher Playdus a mis en ligne la version Android du jeu la veille. On devait sortir le 26 et ils ont mis la version en ligne le 25. Sauf qu'en fait, on avait un fan qui nous avait suivi depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Il est allé la veille et il a vu que le jeu était en ligne et il s'est dit « bah je vais l'acheter parce que j'ai hyper hâte de voir ce que c'est ». Il l'a acheté et le jeu ne marchait pas chez lui. Et il a envoyé un message privé en disant « Ouais, j'ai acheté le jeu, j'étais hyper impatient. Ça marche pas sur mon téléphone. » Mais bon, je me dis que c'est parce que je suis un jour trop tôt, c'est probablement normal. Donc évidemment, je lui ai répondu « Mais oui, bien sûr, c'est pour ça. » Et puis après, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Ça devrait marcher. » En fait, c'était pas du tout une question de date, tu vois. En plus, pour une sombre histoire de calendrier, je devais aller manger chez la ministre de la Culture ce jour-là. C'est complètement improbable, mais c'était comme ça. Et donc on était avec Playdus, avec Paul, avec Thomas. On s'est résolu à mettre sur l'écran de lancement un message d'erreur. Si vous voyez ce message d'erreur, vous devez redémarrer votre téléphone pour que ça marche. Et le jeu est sorti sur iOS et Android à 13h comme prévu. Et à 13h45, j'étais dans le métro en train de rentrer du ministère de la Culture et j'ai lu le premier article critique sur le jeu, qui était signée Stephanie Chen de GamesBeat, un site américain, et elle avait mais tout compris au jeu, tout compris. Et je te jure, j'étais à deux doigts de me mettre à... de fondre en larmes, en fait. C'était probablement dû au manque de sommeil, à l'émotion, etc. Et c'était aussi dû à cette énorme satisfaction que tu as quand t'as l'impression que t'as mis beaucoup, beaucoup de travail et d'énergie dans un projet,
et que soudainement, ben, c'est plus ton projet, c'est plus le projet juste de l'équipe, c'est un projet qui est dans le monde, quoi, et qui est compris par d'autres personnes. Ah, je te jure, c'était fort ce moment, c'était super. Je m'en souviens très bien, j'étais sur la ligne 1, à Louvre-Rivoli. Donc voilà, c'était vraiment un moment assez émouvant. Le premier prix pour lequel on a été nominé, c'était celui des Game Awards. Et donc les Game Awards, c'est quand même la grand messe super commerciale, tu vois, des jeux vidéo les plus mastoc, des Zelda, des Mario, des Horizon Zero Dawn, tout ça. Alors ils ont une catégorie qui était les jeux qui font réfléchir, en gros. Donc on est dans cette catégorie-là. On était contre Life is Strange, Hellblade, 40 personnes pendant 3 ans, Life is Strange, l'énorme succès de Square Enix. Tu sais, il y a une cérémonie, je crois que c'était à Las Vegas ou Los Angeles ou je sais plus où. Et ils annoncent les jeux et t'as les gens qui applaudissent dans le public et tout. Et puis nous, on est en premier dans notre catégorie, comme on commence par un B, donc on a le jeu qui est cité en premier, et t'as genre 3 clampins qui applaudissent, et le maître de cérémonie qui est là à essayer de dire « Allez les gars, applaudissez un peu quand même, c'est des nominés, personne ne connaît, tu vois, genre. » These are the Games for Impact nominees. Bury Me My Love. Les nominations pour lesquelles on est très loin les plus fiers, c'est les BAFTA. Et donc, il y a des BAFTA pour les films, il y a des BAFTA pour les séries télé, qui sont hyper connues, t'as des soirées tapis rouges avec toutes les stars, etc. Et puis, comme les Anglais sont géniaux, ils se sont dit il y a quelques années, ben non, mais il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas les BAFTA des jeux vidéo. Et donc, c'est la seule soirée de toutes les soirées du jeu vidéo où t'as toute l'industrie du jeu vidéo qui est nominée, tous les gens qui sont nominés, qui sont en smoking. Et c'est ambiance James Bond, quoi. Donc, tout le monde est en smoking. Tout le monde est... Et smoking, quand je te dis smoking, c'est pas costume-cravate, c'est veste de smoking, nœud papillon, chemise à livrer, etc. quoi. Et donc moi, je me suis retrouvé à aller louer un smoking, tu vois. Et donc en allant au BAFTA jeudi dernier, je me suis changé dans mon Airbnb un peu tout pourri pour m'habiller super chic et tout. Et j'ai marché, j'étais à 200 mètres de la cérémonie. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis fait siffler dans la rue. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai enfin compris... ce que la plupart des femmes vivent tous les jours. Et donc je suis arrivé dans cette soirée, c'est dans un théâtre super classe, un décor art déco qui fait penser à Gotham City, tu vois, j'ai l'impression d'être dans Batman. Sauf que, autour de toi, t'as tous les pontes de l'industrie, notamment Tim Schafer, qui ce soir-là était venu récupérer un BAFTA d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Et donc j'ai eu l'occasion de parler à Tim Schafer qui m'a dit qu'il jouait à Enterrement mon amour. Alors là, j'étais liquide parce que moi, si je fais des jeux vidéo, c'est parce que j'ai joué à Grim Fandango. Si j'avais pas joué à ce jeu, je pense que je serais pas en train de te parler là maintenant. Et donc pouvoir lui serrer la main et qu'il me dise, alors est-ce que c'était pour être poli ou est-ce que c'était vrai? En tout cas, qu'il me dise, ouais, j'ai entendu parler de ton jeu, je l'ai sur mon téléphone et tout. Ah, j'étais ouf, quoi. J'étais complètement... Tu sais, on a passé un an et demi à se dire, est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on est en train de faire? Est-ce que les gens vont dépasser cette idée que le jeu vidéo est forcément trivial et un peu un truc d'adolescent attardé, etc. Et est-ce qu'ils vont être capables de se dire, ok, là, il y a quelque chose qui a l'ambition de parler d'une question qui est contemporaine et dramatique et a réussi à le faire avec suffisamment de respect et la bonne distance et la bonne quantité de documentation pour que ce soit... pour que ça fonctionne. Quasiment tout le monde a reconnu que on avait bossé, quoi. Et bah ça, c'est cool. C'est cool quand tu parles de vie de gens qui meurent, qui se noient dans la Méditerranée, etc. Tu vois, t'as le moment où, après le reste, est-ce que ça va se vendre, est-ce qu'on va gagner des prix, est-ce que... Voilà, juste, on a fait un truc pour parler de vie humaine et c'est compris, et c'est apprécié. Voilà, à partir de là, moi j'étais tranquille, quoi. Genre Robert Young, qui est un game designer homo et militant de la cause homosexuelle,
qui fait des jeux totalement tarés où il faut sucer des bites de mecs dans des arrière-boutiques de bars dans l'Ohio en 1962. Et moi, en tant que mec hétéro en 2017, je joue à ces jeux et je me dis, mais putain, mais quelle chance d'avoir un truc aussi ouf dans le concept et aussi bien exécuté dans la réalisation et qui me fait vivre des trucs complètement délirants et en même temps qui puent le réel à 10 000 km à la ronde. Heureusement que Robert Young existe. La diversité dans le jeu vidéo, c'est un truc qui est hyper important et qui, je pense aujourd'hui, pour le coup, est pas assez exploré. Donc voilà, j'essaie à mon humble niveau de l'explorer. Et il y a plein d'autres gens de la scène indé qui essaient de le faire. Et c'est hyper cool. Et bah, ils ont besoin de gens pour jouer à leur jeu, quoi. 3,49€ seulement.